Ces jours de marché avec ses étalages et ses vendeurs qui haranguent les passants. Nous sommes à Seattle, au nord-ouest des États-Unis. L'homme qui se fond dans la foule ressemble à n'importe quel consommateur moyen. Je cherche des melons. Bill Marler est un Américain bon vivant qui adore cuisiner. Ce jour-là, il est venu acheter des fruits et légumes. Est-ce que je peux avoir deux melons, s'il vous plaît? Et il est très pointilleux sur les produits qu'il achète. Vous faites très attention, là, aux melons que vous êtes en train d'acheter. Je cherche des produits sains. Vous savez, des melons, on en trouve partout. Mais il faut faire très attention à leur provenance. Si Bill est aussi méfiant, c'est parce qu'il n'est pas un consommateur comme les autres. C'est un avocat, spécialiste de l'alimentaire. Il est célèbre dans tous les États-Unis pour ses combats contre les aliments contaminés. En ce moment, il traque des melons qui empoisonnent les Américains. Des melons qui viennent de tout le pays et qu'il fait analyser ici, dans ce laboratoire. Avec ses méthodes dignes des experts, ce défenseur des consommateurs est devenu la bête noire des industriels de l'alimentaire. Si j'arrive à montrer qu'un de mes clients a exactement le même virus que celui contenu dans mes melons, alors c'est gagné. Une réputation que Bill a bâtie en utilisant une arme qui n'existe pas en France. La class action, ou l'action de groupe. Une action en justice qui oblige les entreprises à débourser des sommes folles pour réparer les dommages créés. 136 milliards de dollars versés aux victimes de l'amiante. 246 milliards de dollars donnés aux fumeurs par les fabricants de tabac. 5 milliards pour les consommateurs de médicaments amaigrissants. La class action, c'est quand des milliers, voire des millions de victimes réclament réparation pour le même préjudice. Imaginez, par exemple, vous buvez un soda et ça vous rend malade. D'autres consommateurs ont les mêmes symptômes que vous. En France, si vous portez plainte, vous ne pourrez le faire que tout seul. Pas de quoi effrayer le fabricant de soda. Aux États-Unis, vous pouvez porter plainte collectivement avec toutes les autres victimes. En groupe, on est plus fort que tout seul. La class action, c'est aujourd'hui devenu un big business qui peut rapporter beaucoup aux consommateurs, mais aussi à leurs avocats. À Seattle, l'avocat Bill Marler en a bien profité. L'argent gagné avec les class action qu'il a menées lui permet de mener une existence confortable. Tous les soirs après son travail, il rentre chez lui en bateau. Car il s'est offert le plaisir d'habiter sur une petite île au large de la ville où il s'est fait construire sa maison. Vous voyez, c'est la grande maison là-bas, avec les belles fenêtres en forme de triangle. Là où il y a les chaises sur la plage, c'est là-bas. Une maison de 1000 mètres carrés, payée 2 millions de dollars. Une villa de luxe, dans laquelle il vit avec sa femme et ses deux filles. Et lorsqu'il veut décompresser, Bill peut profiter de son grand jardin avec une vue imprenable sur la mer. On a une super vue sur la marina. Mon moment préféré de l'année, c'est en hiver, quand il y a le coucher de soleil. Vous voyez, tout devient rose. On voit le soleil descendre dans la mer. C'est un spectacle incroyable. Pour s'offrir tout ça, Bill s'est enrichi grâce au procès qu'il a fait à des multinationales de l'alimentaire. Des class action au nom de milliers de consommateurs. Sa spécialité, ce sont les chaînes de restauration qu'il traque sans relâche. À la moindre intoxication alimentaire, au moindre souci, Bill est là pour les traîner devant les tribunaux. Wendy's, Pizza Hut, McDonald's,
Toutes ces enseignes ont subi les assauts de l'avocat. Des affaires qui l'ont rendu célèbre. On l'invite même aujourd'hui régulièrement à la télévision, où il intervient en tant qu'expert de la sécurité alimentaire. Merci d'être là. Alors, y a-t-il quelque chose qui ne fonctionne plus dans le système alimentaire ? Sa célébrité comme sa fortune, Bill la doit à des hamburgers. Ceux de la chaîne de restaurants rapides Jack in the Box. Il y a 20 ans, une intoxication alimentaire faisait 7 morts et 800 malades. Les victimes avaient un point commun, avoir mangé de la viande chez Jack in the Box. Bill va mener l'enquête et prouver la présence d'une bactérie dévastatrice dans les sandwichs, la bactérie E. coli. Il a donc lancé une class action et obtenu de gros chèques en millions de dollars pour les familles des victimes. Lui-même n'a pas été trop mal loti, 15 millions de dollars pour son cabinet. Une fortune qui lui a notamment permis de se payer ce bijou, une pièce de collection. C'est mon bébé, une Chevrolet qui date de 1951. Et regardez la plaque d'immatriculation. Un clin d'œil à la bactérie qui l'a rendu célèbre. L'avocat rêve aujourd'hui de refaire le même genre de coup. Et une grosse affaire sur laquelle il travaille en ce moment pourrait le satisfaire. There you go. Happy days. C'est au 18e étage d'un building avec vue panoramique sur Seattle que Bill Marler a installé ses bureaux. Et dans les couloirs, tout est là pour rappeler à ses clients qu'en matière de scandale alimentaire, Bill est l'homme de la situation. Voici par exemple des copies des chèques que j'ai obtenus pour les clients. Voyez celui-là, c'est 600 000 dollars pour l'une des victimes. Des chèques exhibés comme des trophées. Ce sont les montants parfois faramineux que les victimes d'intoxication alimentaire ont touchés. Pour celui-là, par exemple, mon client a empoché 6 millions de dollars. Mais avant d'en arriver là, c'est une longue bagarre qui se prépare méthodiquement. Au début d'une class action, l'avocat doit d'abord récolter les témoignages de victimes pour constituer le dossier. Bill, how you doing? Comment ça va? Good seeing you, buddy. Yeah, take care. Yes, sir. Right. Yes, sir. Sit down. I'll certainly do it. Ce jour-là, il a rendez-vous avec Paul pour une affaire qui pourrait bien devenir un énorme scandale sanitaire national. Il y a un an et demi, le père de Paul est mort brutalement. Il avait attrapé la listeria. Les analyses ont montré qu'il avait contracté le virus après avoir mangé des melons. Depuis, Paul se bat pour se faire entendre et pour obtenir réparation. Je suis allé sur Internet, j'ai tapé listeria, et là je suis tombé sur Bill. J'ai lu son histoire et j'ai trouvé ça très intéressant. Je lui ai envoyé un mail et ça a été très rapide. Seulement 20 minutes après, il m'a répondu. On s'est un peu parlé, il m'a dit « Ok, je vais vous défendre, vous et votre famille ». L'affaire est intéressante pour Bill, car le père de Paul est loin d'être la seule victime. Depuis son premier entretien avec lui, de nombreux autres cas de malades ont été signalés. Bill a déjà plusieurs dizaines de clients, et des milliers d'autres consommateurs pourraient avoir été contaminés. L'avocat a donc lancé une class action. C'est horrible ce qui est arrivé à ces gens. On a déjà prouvé qu'au moins 150 personnes avaient été contaminées. Et on compte au minimum 47 morts. Ça fait beaucoup de victimes. Bill Marler a eu du flair. C'est une très grosse affaire qui désormais fait la une des journaux télévisés. De nouvelles victimes dans l'affaire des melons contaminés. Un homme de 92 ans est mort après une longue agonie. Les autorités sanitaires vérifient que les melons contaminés ont bien été retirés du marché. Sur CNN, on a même fait une carte de crise, indiquant dans quel état il pouvait y avoir des melons contaminés. C'est l'intoxication alimentaire la plus importante dans le pays depuis près de 40 ans. Hey Leslie, could you call me?
Pour Bill Marler, c'est sans doute l'affaire de sa carrière. L'avocat y consacre aujourd'hui tout son temps. Dans une class action, une fois qu'on a récolté des témoignages de victimes, il faut identifier clairement les responsables, ceux que l'on va attaquer en justice. Hey les gars, vous pouvez venir ? Alors, avec ses collaborateurs, Bill s'est lancé dans une minutieuse enquête. Et ils travaillent un peu comme des policiers. Regardons où on en est. Voyons où les victimes ont acheté leur melon. L'objectif, c'est d'identifier la provenance des melons. Ça, ce sont les noms des gens que nous représentons dans l'affaire. Là, c'est l'endroit où nous pensons qu'ils ont acheté du melon. Et en dessous, là, c'est le nom du producteur. Nous savons que la compagnie s'appelle Jensen Farm. Ici, par exemple, pour M. Schwartz, on est capable de dire qu'il a acheté du melon à deux endroits différents. Il en a acheté un dans un supermarché et l'autre, il l'a mangé dans un restaurant. Ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir enquêté, on a trouvé que ces deux entreprises se fournissaient chez ces deux producteurs-là. Pour chaque melon acheté par les clients, les avocats ont donc tenté de remonter la piste. Et Gomez, vous en êtes où ? Comme pour n'importe quel enquêteur, il s'agit d'accumuler les preuves. Et nos avocats de Seattle sont plutôt de fins limiers. Ils ont mis la main sur des pièces qui peuvent être décisives. Les tickets de caisse prouvant où et quand les victimes ont acheté les fameux melons qui les ont rendus malades. Voilà, ça c'est le dossier de la famille de quelqu'un qui est mort d'avoir mangé ce melon contaminé. Regardez, là par exemple, on s'est rendu compte que notre client avait acheté ce melon chez Walmart. Regardez bien, là sur le ticket, on peut voir qu'il l'a payé 1 dollar chez Walmart. Une bonne piste, car Walmart est une riche multinationale qui peut dépenser beaucoup pour dédommager les victimes. L'enquête avance. Il faut dire que depuis quelques mois, tout le cabinet, près de 30 personnes, est mobilisé. Mais pour Bill, c'est un coup de poker, car dans la class action, l'avocat n'est payé qu'après, en fonction du résultat. S'il perd le procès, toutes les dépenses engagées jusqu'à présent seront parties en fumée pour rien. Combien avez-vous dépensé pour cette affaire ? Aujourd'hui, on a investi environ 2 millions de dollars dans cette affaire des melons. $2 millions sans aucune certitude sur le résultat final. Exactement. Pour que l'affaire rapporte de l'argent, Bill va devoir rassembler un maximum de victimes derrière lui. Bye. Car dans une class action, plus il y a de plaignants, plus la somme que l'avocat va toucher est importante. Et Bill a une méthode pour attirer les clients. Car la bataille ne se joue pas seulement dans des bureaux ou devant le tribunal. L'avocat a une autre carte dans sa manche, les médias. Thanks. Cet après-midi, il est l'invité d'un show télévisé diffusé sur une chaîne locale. Et il est apparemment un habitué des lieux. Salut à tous, comment ça va aujourd'hui ? Hi. Bonjour, ravi de vous voir. Bill, on le reçoit souvent. Dès qu'on parle de problèmes alimentaires, c'est lui qu'on appelle. Récemment, comme c'était la saison des barbecues, il est venu nous expliquer les problèmes concernant le conditionnement de la viande. C'est un super client pour nous. Bill joue un peu le rôle de chevalier blanc des consommateurs, l'adversaire de la malbouffe. Mais aujourd'hui, c'est sur l'affaire tragique des melons contaminés qu'il est venu s'exprimer. Malheureusement, il y a eu une tragédie. Nous espérons que cela servira de leçon aux industriels et que ça n'arrivera jamais plus.
Oui, et c'est peut-être une affaire à plusieurs centaines de millions de dollars. Merci beaucoup, Bill. On espère vous revoir sur ce plateau très prochainement. Merci beaucoup. Une intervention qui fait partie d'une stratégie plus globale, élaborée par l'avocat. Aux États-Unis, les gens pensent que c'est moi qui vais démarcher les clients. En réalité, vous savez, ce sont eux qui me trouvent. Certains me contactent par Internet, d'autres me voient à la télévision, ils m'entendent à la radio. C'est comme ça que je me fais connaître. Et apparemment, la stratégie de médiatisation fonctionne. Car chaque semaine, de nouvelles victimes des melons contaminés se manifestent auprès de Bill. Voilà qui pourrait augmenter ses honoraires. Dans les class action, l'indemnité que doivent payer les entreprises augmente avec le nombre de plaignants. Et comme l'avocat touche un pourcentage de cette somme totale, il peut gagner des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Mais à force de vouloir empocher le jackpot, certains de ses avocats ont fini par se brûler les ailes. L'un des avocats les plus puissants du pays est accusé d'avoir tenté d'acheter un juge. Richard Scruggs, un avocat du Mississippi qui se croyait intouchable. Il était la référence américaine de la class action, avant d'être lui-même condamné par la justice à 5 ans de prison. Scruggs est tombé pour corruption. Il y a 5 ans, lors d'un procès qui semblait mal engagé pour lui, il a proposé 50 000 dollars à un magistrat pour infléchir sa décision. Ce fut la chute d'un roi. Car Scruggs est l'homme qui a mené la plus retentissante class action de tous les temps. L'histoire démarre dans l'État du Mississippi, dans la petite ville d'Oxford. Nous sommes au cœur de l'Amérique profonde, loin des gratte-ciel de Manhattan ou des paillettes de la Californie. C'est ici que Scruggs et ses associés ont mené la bataille contre un géant de l'industrie, les compagnies de tabac. À l'époque, le bras droit de Scruggs dans cette affaire s'appelait Don Barrett. Aujourd'hui, il a son propre cabinet et s'occupe toujours de class action. Dans son bureau, il garde précieusement les souvenirs de son épopée avec Richard Scruggs, surnommé Dickie. Là, c'est Dick. Là, c'est moi. Et là, c'est notre troisième associé, Mike Moore. C'était le 4 juillet 1997, le jour de la fête nationale. Et surtout, le fameux jour où on a vaincu les compagnies de tabac. Au milieu des années 90, Richard Scruggs est contacté par des fumeurs atteints de cancer du poumon. Il lance alors avec son cabinet une class action contre Big Tobacco, le numéro 1 du tabac. Sa victoire, Scruggs la doit à un témoignage, celui d'un ancien directeur de recherche de Big Tobacco, qui a dénoncé les pratiques de la compagnie. L'histoire sera même racontée dans un célèbre film, Révélation avec Russell Crowe. Monsieur Scruggs, Jeff Wigand, Lowell Bergman m'a dit de vous appeler. Avec mon associé Ron Motley, j'ai initié une procédure contre le lobby du tabac au nom de l'État du Mississippi. Pour que l'État soit remboursé des frais médicaux concernant les maladies liées au tabagisme. Nous aimerions vous rencontrer, si vous le souhaitez, bien entendu. Un témoignage qui va faire basculer le procès. L'affaire se règle par un accord historique. Big Tobacco est condamné à payer 246 milliards de dollars à l'assurance maladie américaine. Mais le grand gagnant s'appelle Richard Scruggs. Son cabinet empoche 1,4 milliard de dollars, une somme record, qui fait de Scruggs le modèle de tous les avocats des class action. Le voici interviewé sur ABC, une grande chaîne nationale américaine. Il est alors au temps de sa splendeur. Aujourd'hui pourtant, Scruggs dort en prison. Mais l'ex-associé Don Barrett a gardé pour Scruggs toute son estime. Il faut dire que pour lui aussi, l'affaire du tabac a été rentable. Il a touché personnellement 55 millions de dollars.
Scruggs était un véritable avocat entrepreneur. C'était le meilleur pour détecter les cas les plus intéressants, ceux où il y avait de l'argent à se faire. Il trouvait les meilleurs experts, faisait de longues recherches, travaillait pendant des mois sur le même cas. Il ne baissait jamais les bras et à la fin, ça finissait toujours par payer. Aujourd'hui, Don Barrett rêve d'imiter son mentor. Il vient de lancer une nouvelle class action. Une plainte contre plusieurs groupes industriels de l'alimentaire comme Pepsi-Cola. Il leur reproche de ne pas afficher clairement sur l'emballage la quantité de sucre contenue dans les produits. Ces étiquettes trompent les gens. Il faut qu'ils s'arrêtent. Ça ne peut pas continuer. Vous pensez pouvoir gagner autant qu'avec le tabac ? On ne pourra jamais atteindre le montant du tabac. Mais on peut quand même imaginer que ça va se compter en milliards de dollars. Si les class action ne se finissent pas toutes comme celle du tabac, la menace qu'elles font peser sur les entreprises suffit à les faire trembler. Et les consommateurs américains en profitent. En 2011, ils étaient plusieurs millions à s'être joints à des class actions.